Équipe rouge. Celui-là. Alex. Je veux le rouge, papa. Celui-là, ok, bah ça c'est pour le bleu, ça. Deuxième de l'équipe bleue. Ouais. Manquez le bleu plutôt. Ah, choisis encore un papier pour le troisième de l'équipe rouge. Ludo est mort. Il a l'air bien celui-là. Donne à maman. Para. Prends un papier pour l'équipe bleue. Attends. Ludo. Prends un papier pour l'équipe rouge. Oui. Attends. Moi. Prends un papier pour l'équipe bleue. La dernière, de toute façon, t'as pas trop le choix de ce que tu C'est bien, top là. Oxide avec l'eau, avec le oui, il a fini le papier, papa. C'est bien, mon cœur, bravo. Du coup, c'est moi, Cora. Oui, avec Innocent. Bon, hey, fais-moi le truc, toi, parce que. Hein oui, bah, ça va. Alors. Attends, c'est l'équipe correcte ça que t'as fait là. Ça c'est rouge, ça c'est bleu. D'accord. Donc Val, Alex, Para et Fanta vont dans le vestiaire rouge. Et Upsi, Laure, Ludo et Oxa vont dans le vestiaire bleu. Et ça c'est une équipe qui a de la gueule. C'est même deux équipes qui ont de la gueule. Allez les filles. Le rouge quand vous descendez. Papa, t'es avec Ludo aussi, c'est une fille. Le rouge est tout à droite. Ah, yeah, attends. Je savais que j'ouvre la porte pour vous faire mais... prendre. Je suis retournée au vestiaire bleu, c'est quoi cette couille? Enlève ton mode admin, toi. Je suis plus en admin. Ouais, mais c'est où je suis paumé, moi. Alors, attends, les vestiaires bleus, c'est là où il y a les lions bleus. Je ne serais pas trompé. Bah, t'es. Attends, lourd. Lourd. Ah, bah, oui, t'es au bon endroit. T'es au bon endroit. J'en ai deux au vestiaire bleu. Une, deux. Bon, vu qu'on n'est pas beaucoup, est-ce que vous voulez quand même splitter le groupe en deux ou pas? Bon. Bah, ça fait 4 contre 4. Ludo, il s'est trompé d'équipe. Maintenant, c'est toi qui vois allez, comment t'as organisé ton truc, quoi. Fais au mieux pour toi, Coca. Bah, moi, c'est pareil. Le truc, c'est qu'il n'y a que moi qui ai un jeu de stratégie, non jeu, donc, Ah oui, c'est un jeu de stratégie, oui. Oui, ça, oui. Bon, on va faire deux équipes. Les frigos, ils sont où déjà? Les frigos ils sont à l'étage. Sors du vestiaire, viens voir sur les côtés, t'as un petit escalier. Là, dessus, là. Oui, ou de l'autre côté, il y en a un. Je vais chercher quelque chose sur ma tête. Voilà, les frigos sont là. Merci. Je crée un groupe pour l'équipe rouge ou pas? Bon, du coup, je vais avec. Attends, bon, comme Fanta et l'équipe rouge, alors moi je vais avec l'équipe bleue alors. Je vais inviter l'équipe rouge dans un autre groupe. Ça marche. Bonne chance. Eh ben bon jeu. Également. Battez-vous bien. Upsi, il est vraiment pas bien. On aurait peut-être pas dû faire les ventes. Upsi, il est vraiment pas bien. Bah oui, mais je ne savais pas qu'il était pas bien. C'est quel coffre le bon? Il doit aller dans le groupe. Oui, mais je te demande c'est quel coffre le bon. Celui-là, il y a du stuff dedans. Maman! Il n'y a qu'un coffre avec du stuff par vestiaire, donc fatalement, le coffre, c'est celui avec du stuff dedans. On peut déjà prendre des sacs de couchage pour les poser. Oui, prenez vos sacs de couchage et allez les poser à l'extérieur. Bleu, donc moi je suis avec l'équipe bleue. Ouais, donc je suis dans le mauvais vestiaire déjà, ça commence bien. euh...
On les pose où? Tu vois, dehors, il y a une allée et au bout, j'avais laissé un creux dans le sol avec de l'herbe. Tu peux les poser là. Carrément à la sortie, quoi. Ouais. Ok. Parce que tu ne peux pas les poser sur les structures qui ne sont ouais, pas ouais, à non, toi, mais ça, je sais. Ah, parce que ça, par contre, c'est un truc qu'ils auraient dû changer quand même, ça, tu vois. Ou qu'ils auraient dû mettre dans les réglages du jeu, qu'on puisse changer ça. C'est vrai que ce serait quand même plus confort si vous pouviez spawn directement dans le vestiaire. Moi, ouais, je pose la dose. Bah, sur le premier round, le maximum que tu pourras réapparaître, c'est une fois. Par contre, sur le deuxième round, en fonction de quelle équipe tu fais partie, bah, là, par contre, ce sera beaucoup plus tordax. Non, ce que je veux dire, c'est que j'en ai posé 18, comme ça, je suis sûr que j'ai de quoi faire, quoi. Ouais, bah, j'espère. Quoi, il n'y en a pas assez? Alors, pose-en encore 2-3. Ici ils en posent une vingtaine au moins chacun. Faites-vous plaisir parce que de toute façon au pire les sacs que vous mettez ce sera perdu pour la prochaine fois. Et s'il faut des sacs, ben vous me le dites, je vous remets des sacs. Je sais pas, attends, je respire. Oh, ça, c'est ton chien qui a lâché une merlouse. Ils sont où, les sacs de couchage? Dans le coffre. Ok. Merci. Pardon? Pas dans la merde, j'ai un autre caisse. De quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je dis on n'est pas dans la merde, il y a un lance-roquette. Bah, et puis tu prends pas le lance-roquette, hein. Oh, c'est... putain. On va peut-être faire une tribu, peut-être. Oui. Attends. Par contre, le truc, c'est que faire une stratégie avec quoi que ça, qui a pas de micro, ça va être un peu compliqué, quoi. Ben, elle nous entend, je suppose. Ouais, mais pour nous répondre, ça va pas être évident, quoi. C'est ça le problème. On fait avec. Y'a qui dans l'équipe en face? Ben, Parano, Alex, Val. Et Fanta. Et Fanta.
T'as déjà expliqué les règles ou pas? T'étais pas là quand j'ai expliqué? Mais écoute, je n'ai pas souvenir de les avoir entendus. Oh d'accord. Venez à l'escalier au-dessus dans la pièce des ors, il y a un balcon pour voir la reine. Apparemment, Epsi n'avait pas vu. Alors, en fait, ici, ça va se jouer en 4 rounds. Oui. Le premier round, ce sera PVP, match à mort pur et simple. Donc, première équipe à éliminer l'équipe adverse. Ok. L'équipe qui gagne aura l'occasion de commencer le round numéro 2. Le round numéro 2, ce sera une défense. L'équipe gagnante qui commencera le round numéro 2 aura 5 minutes pour préparer une position défensive dans l'arène. Pendant que l'équipe perdante, qui se prépare à l'assaut, se préparera gentiment dans le vestiaire. Le but, ce sera pour l'équipe attaquante d'éliminer l'équipe qui défend en moins de 5 minutes. Il y aura vie infinie pour l'équipe attaquante. Par contre, l'équipe qui défend n'aura qu'une vie chacun. C'est chaud, ça, non? Ah non, parce que l'arène sera piégée. Je ne sais pas si tu as un peu vu ce qu'il y a dans les coffres. Il y a de quoi faire. Les 5 minutes peuvent passer très vite. Ok. Après, tu sais, le temps, si jamais tu meurs, le temps que tu réapparaisses au truc, que tu aies stuffé dans le vestiaire, tu as déjà la moitié du round qui est passé. Donc en gros, tu devrais perdre 2 vies max si l'équipe qui défend se défend bien. Je serais m'inquiéter parce que j'ai pas de souvenir d'avoir entendu ça en fait. Ah ben si, j'ai tout expliqué bah, tantôt. Bah si, t'étais là, Upsi, parce que c'était avant de créer les équipes. Je crois que je vais commenter. Et donc, à la fin de ce round-là, le round d'après, c'est la manche retour. Donc c'est le même, mais en inversé, l'équipe qui attaquait défend, l'équipe qui défendait attaque. Et le round d'après, le quatrième, ce sera la manche retour du match à mort par équipe. Ok. Voilà, tout simplement. Je crois que la rediff, elle va être comique à regarder, hein. Donc voilà. Ah ben parce que si j'ai pas suivi ce que Coca a dit, c'est que je dormais devant l'écran. Ah ben impossible. Ah ben je vois que ça. Hein. Là j'ai remis la webcam. Au moins t'as pas entendu ronfler si t'as comaté. Hein. Ouais, c'est ça. J'ai rien entendu. Je vois, j'ai aucun souvenir. Donc voilà, vous pouvez aller vous stuffer dans les vestiaires. Donc nous on est attaquant Ah non c'est un PVP d'accord. Non, là c'est le match à mort. Et vous pouvez prendre... Ouais vas-y. J'allais dire faut déjà voir qui prend quoi. Ah ben il y a le choix. Vous pouvez prendre des soins sur vous. Hein. C'est autorisé. Ok. Ok. Regardez bien ce qu'il y a dans votre coffre, il y a de quoi se faire plaisir, mais n'oubliez pas que vous allez devoir à un moment donné faire une position défensive. Donc économisez certains de vos pièges quand même. Si vous voulez vraiment faire un barrage d'enfer au mec qui attaque. Comment? Ah oui, il y a même des grenades tech. Ah oui. Putain, je reviens pas. J'ai aucun souvenir de ce que t'as dit. Tu paries que je commettais devant l'écran? Coca, tiens, je pense que j'ai encore ça sur moi, je sais pas pourquoi j'en ai autant d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est des coups, pourquoi j'en ai autant dans mon inventaire. Peut-être parce que t'as gaulé toutes celles que font t'imposer. Non, je sais pas, j'étais parti, je me réveille, enfin, j'étais parti, je reviens, je suis endormi. Et ah d'accord, bon, je vais aller mettre les gourdes au frigo. J'ai pris une arbalète et 50 flèches enflammées. Bon, je vais devoir les garder sur moi, hop. Pas dans les frigos. Moi j'ai juste une question. Oui. Les fusils à canon, c'est quoi les balles? Les balles, il y a les fléchettes tranquillisantes améliorées. Mais elles sont en train de. Elles vont vite périmer aussi. Non, ça périme pas si vite que ça, parce que c'est toujours la munition. Qui ça par contre, ça one shot et tu dors direct. Hein. Attention. J'ai pris un balle, pas beaucoup de balles. Vous êtes sec là dans le vestiaire, il y a un truc pas normal. Bah y'a toi. Val, t'es dans le mauvais vestiaire. Dégage. Oh putain. Ah, y'a quelqu'un qui tire un revolver.
C'est moi, je suis en train de tirer dans le cul de Val pour qu'il change de vestiaire. Moi, bon, j'ai pris un revolver avec 75 balles. J'espère que tu tires bien au revolver, hein, parce que je ne sais pas tirer en courant, hein, par contre, avec. Par contre, en visant, tu peux marcher en tirant. Ça part du fil d'assaut là. Oh, il y a même un revolver mythique dans le truc. Le revolver mythique à 400 ED, il one-shot. Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas de lunettes. Dommage. Des lunettes? Ben regarde, il y en a. Un revolver. J'ai mis des lunettes pour le fusil d'assaut. Non, mais les lunettes dévidées, il est grosse là. Je me sens les camions. Ah, ouais, non, ça va. Quand on meurt, on peut prendre le stuff des adversaires ou pas? Absolument, oui. Ok. Et vous gardez votre stuff pour les rounds suivants, pour ceux qui survivent. Ok. Qui a pris des flèches tranquillisantes, je veux savoir. Moi j'en ai pris. Moi j'en ai pris 5. J'ai pris 5 flèches tranquillisantes, une lance en métal, une arbalète avec 50 flèches en feu, le lance-flamme et 5 grenades. Enfin 5 munitions pour lance-flamme. Je me demande si j'ai pas pris un peu trop quand même quoi. J'ai pris un fusil d'assaut et une lance, moi c'est tout ce que j'ai pris. Par contre, n'oublie pas que ça dure 5 minutes. Hein. Vous, non, le premier round il ne dure pas 5 minutes. Ah oui, oui. Que tout le monde a tué tout le monde. Okay, okay. N'oubliez pas que vous pouvez effectivement prendre le stuff sur les morts, mais une fois que le round est sifflé fait, vous ne fouillez plus les cadavres. Ouais. De toute façon, les sacs resteront pour le round suivant. Hein, bon, du coup, je vais reposer 25 flèches. Si vous voyez, j'ai mis aussi des bocaux de pétrole qu'on peut enflammer avec les flèches en feu aussi. Mais bon, normalement, pour les 4 rounds, vous êtes à l'aise niveau armement hein, et munitions. Prenez quelques bolas quand même, les gars. C'est toujours utile. Oui. J'en ai merde. Bon, attends, on va vite faire tourner l'essence alors. Donc j'ai pris 4 bolas, donc le fusil. Je vous ai dit que j'avais oublié quelque chose. Avec 5 fléchettes tranquillisantes. Lance-flamme, je sais pas si je vais le prendre. Je crois que je vais non, le non, mettre c'est de moi, côté. J'ai mis, des tronçonneuses dans les coffres et j'ai pas foutu l'essence. Prenez une grenade ou deux. Je vais le faire tantôt et puis. Il y en a, il a tout pris. Donc. Il y en a, il a tout pris les grenades. Moi je les prends pas, c'est C'est surtout que les grenades elles pètent à l'impact donc si tu les jettes mal ça fait mal là. Une gaffe avec ça avec ton fusil d'assaut là. Mais où ça elle est pas dans la tribu. Non, on n'a pas encore refait les persos avec le poids. Parce que ça peut désavantager ça. Elle a pas dû accepter l'invite du psy, je pense. Bah... Si tu prends beaucoup, tu peux prendre plus de stuff sur toi. T'as quoi que c'est pas super lourd non plus, quoi. Voilà. Ouais, t'as raison. J'ai pas pris beaucoup, hein, quand tu regardes. Mais bon, ça, la quitte d'attribut, tu peux la rajouter aussi. Ah là, j'ai mis de l'essence dans votre coffre, je vais aller mettre de l'essence dans le coffre des bleus, des rouges. J'ai mon habitude d'être dans les rouges, moi. Mais elle rejoint la tribu et elle est jaune. Elle a quitté, voilà. Je crois. Ouais, elle a rejoint la tribu, mais elle a dû quitter, je crois.
Elle est où ça, accepte? Pourquoi tu sautes? Ben, à mon avis, c'est qu'elle veut nous faire comprendre quelque chose, mais quoi, je sais pas. Mais je la recrute, là, regarde. Recrute ton tribu UPSI. Je sais pas, elle reçoit pas le truc. Vas-y, hop. Petit souci avec quoi que ça. Ben, on a vu, il y a un souci pour qu'elle rentre dans la tribu. Oh, putain. Ouais. Pourquoi après tu comptes rejouer après l'event? Ouais. Pour? Je sais pas, voir eux, la mec. Non. Non, parce qu'il est déjà tard en plus. Je pense qu'après l'événement, je vais aller me mater un bon petit film. Je me sens d'humeur à tâter un peu du film gore ou du film d'horreur là. Tu l'as vu, Opération Portugal, Coca? C'est un film français ça? Oui, c'est avec Jal. Bah alors, là, déjà non alors. Ah ben... ça risque pas que je le vois alors. Bah pourtant il est beau. Mais moi, je me suis bien marré. C'est bon quoi. Moi tout belle. Mais à l'époque, t'avais des vrais films en France avec des vrais acteurs qui maintenant. Et tu vois le festival de Cannes. Bon. Et tu vois ce qu'ils présentent là-bas. Elle me croit pas. Hein. Bon, par contre, faudrait peut-être. Essayer de trouver. Une bon, et si vous. Attends, regarde. Pam, on va faire quelque chose. Elle est où, Oxa? Elle est là, là-bas derrière. Ludo, arrête d'avoir des boobs, je te confonds toujours avec Oxa. Bon, je vais voir si Oxa répond à ma demande de tribu. Elle n'arrive pas à accepter. Parce que... Ah, c'est... Ah ben voilà, elle m'a rejoué. Bah, elle m'a rejoué, mais je la vois jouer. Mais pourquoi elle me tape? Pas dans ta gueule. Bah... Et elle me chie dessus en plus. Non, parce que moi dans la tribu, dans le menu de tribu, je vois qu'elle fait partie de la tribu. Hein. Ouais, mais non, mais tu la vois en jaune. Ouais, elle est en jaune. Ouais. Et ça que. Et quand elle a ouais. Et je ne vois. Et je ne vois pas son nom au-dessus de sa tête. Ça, c'est bizarre. Par contre, il faut qu'elle quitte. C'est... Ouais. Si... Bon, d'accord. Ça, je sais pas. Ouais, peut-être que si c'est elle qui crée la tribu, ça fonctionnera. Bah, c'est ce que je lui dis. On doit être la tablette, elle est bien après maman. Ça va pas charger. Oui, ça va, on a compris. Par contre, c'est Val avec la vitesse qu'il a, on va en chier pour essayer de le dégommer. Ah ouais, tu pièges. Après, j'ai vu le bolas, regarde hier la bolas. C'est la dernière fois quand on a fait l'événement dans la sorte d'arène un peu médiévale, là... Val, j'ai réussi à le bolasse 3 fois, quoi. C'est pas impossible. Damien, lui, ça va être vite fait de le tuer. Hein. Et comme il m'a dit, il me dit, j'ai quasiment pas de vie sur mon perso, donc lui, ça va aller vite. Mais... Bon, pour le prochain événement, il faudra... Mais elle reste jaune. Les potions. Non, mais elle est dans la tribu, là, ou pas? Elle m'a invité, là, et... On est plus que deux.
Bah ouais, je suis dans sa tribu, mais elle est jaune. Ouais, mais est-ce que tu vois son nom? Est-ce que tu vois son nom? En jaune. Au-dessus de sa tête. Bah c'est bon alors, c'est pas grave. Faut qu'on quitte la tribu où on est? Oui. Bah non, mais là, si je fais ça, c'est... Hop. De toute façon, tu me diras, tu la reconnaîtras avec tes cheveux rouges. Si tu vois du DPS, c'est elle. elle va les endormir à coups de poing, elle. Bon, alors... On n'aura rien à faire, on aura juste à les tuer. Est-ce que vous êtes prêts? Oh, la grenade, j'ai pas vu. On n'a pas fait trop de stratégie, mais... Bah, c'est... Attends. Vu que c'est... Le problème, c'est que vu que c'est le premier round... N'oubliez pas d'aller chercher des breuvages. Putain, je sais pas. Ouais, c'est bon. N'oubliez pas que... Hop, attends, je déverrouille... Avoir à manger... Je déverrouiller les portes de la vestiaire rouge aussi. Et sinon, si vous êtes les seuls à rentrer dans l'arène, vous aurez l'air un peu d'aide. On va pas en prendre 300 non plus, on va en prendre 150, c'est pas l'affaire. Ah ouais, elle est encore vite. Par contre, on est à poil, on n'a pas de... on n'a pas d'armure. Non. Il y a une armure anti-émeute complète, à vous de voir ce que vous faites avec. On va se regarder dedans. Oh la guerre. J'ai ni chaud ni froid là, donc Ils sont prêts chez toi? Ok. J'ai déverrouillé les portes donc vous pourrez les ouvrir. Alors. Prêt. Ouais. 3, 2, 1, allez-y. Mais. Attention, je lance des grenades lacrymo les gars. Des grenades endormissantes en bas, machin. Je crois qu'ils ont tous pris une lance là. Oh, 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 aïe. C'est qui là en face de moi là? Non, ma tué. C'est qui là en face de moi? C'est toi en face de moi là, Laure? À poil. Non, Laure elle est morte. Laure elle est morte. Mais c'est qui là alors? Ah, c'est Ludo. Tu me tires dessus, Ludo. Ah putain, la tête. On avait posé les sacs de couchage. On avait posé les sacs de couchage. Oui. Et du coup, vu qu'on a rechangé la tribu, il n'y a plus de sacs de couchage. Oh non. Oh, allez, ici. Ouais. Du coup, j'apparais où? Attends, non, je vois. Non, il reste Upsi, Ludo et encore un autre. Derrière moi, Upsi. Il a au moment J'apparais. Il reste qui vivant dans... Il reste qui vivant chez les bleus? Moi, il... T'as servi à la tour bleue ou pas? Oui, va à la tour bleue, je vais faire un transfert pour tout le monde, vous reprendrez des sacs que vous les passer partout. Et par contre, du coup, je vais pas pouvoir reprendre mon stuff en fait, je vais rendre des clés. Ah non. Attends, ça c'est pas le grand. Ah, il y a quelqu'un qui fait les poches de quelqu'un là. Il y a quelqu'un qui fait les poches de quelqu'un. Ludo, si tu vois, t'arrives à récupérer mon stuff, au pire, hein. Attends, je vais faire le dernier, je suis un peu fou. En vrai, c'est vrai que si vous récupérez les stuff sur les gamins, vous pouvez les repartager avec vos collègues. Elle va me tuer, elle va me tuer. Il se fait éclater la gueule. Même s'il se fait éclater la gueule. Mais t'en as tu sais que si tu meurs après, ton stuff t'aura pas ramassé, il sera rien. Qui c'est qui tire? C'est toi Ludo? C'est moi. Ok. Vas-y, je reprends de la vie en attendant. Eh, regarde pas sur mon écran, tu tires.
Non, t'es en train de donner des indications. C'est une petite. Je ne vois pas, là. Il reste qui dans vie chez eux? Il reste Ludo en vie. Non, Ludo, il est avec nous. Ah ouais, non, ben, je sais pas, il y a... Il y a une fille, il y a une fille, là. C'est Alex. Yeah, c'est Alex, ouais. Ouais, chance pas gardier, hein. Chance pas gardier, hein. Va falloir récupérer tous les sacs de couchage qu'on a posés pour qu'on puisse les reposer derrière. Mais tire pas dessus, hein. Parce que lui, il a les... Qui tire dans le vide. Mais Oxa, elle est morte. Mais il est où? Oh oui. Mais si, je suis endormi. T'es endormi? Il le tue. Oxa, elle est morte. C'est bon, je l'ai eu. Ouf. Ludo, t'es encore en vie? Ouais, il est en vie. Ouais. J'ai envie, je suis juste endormi. J'ai peur, peur, mais ça va. Ouais, ça va, t'en as pour 20 secondes, 20, 25 secondes. C'était chaud, hein, c'était serré, hein. Ouais. Bah, au final, ça, ça va. Du coup, on peut ramasser le... son stuff ou... Non, 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 maintenant que c'est fini, vous sortez. Ok, 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 ok. Alors, je vais aller à la tour bleue récupérer l'or. Juste quelqu'un peut traîner mon corps dans le vestiaire. Il n'y a pas que moi. Ah ben, on est... Chez toi, ils ont eu des problèmes pour réapparaître. Ben on doit tous avoir la blague, hein, puisqu'on a tout, on a tous changé. Ah non, c'est personnel, hein, un sac de couchage, tu m'as toujours dit. Donc normalement, tu devrais les voir, non? La... Et soit, tu m'as sauvé la vie. J'ai soif. À la tour, il y a Oxa, Damien, Fanta et moi. Et soit. Merci. Souhait. Merci. Voilà. Est-ce que chez toi tout le monde est là, mon cœur? Est-ce que vous avez ça traîné va. Nos corps dans les vestiaires, les gars? Non, mais. Oh, t'imagines même pas ce qu'on leur a fait. J'ai ramassé le stuff des amis, les gars. Non, mais le stuff, on s'en fout au final, puisque. Oh merde, c'est. Ah. Merde, c'est pas mon truc. Non, c'est pas mon truc ici. Il y en a qui va regretter de partir aussi vite du téléporteur. Ça va être la Fanta. J'ai fait mouche qu'avec des flèches en feu, Ludo. Hein? J'ai fait mouche qu'avec des flèches en feu. J'avoue, mais en tout cas, tu m'as sauvé, j'étais mid-life. J'ai bien, tu l'as bien snipé avec l'arbalète, hein. Ouais. Ok. Par contre, tu t'as bon, bah moi, faut que je retrouve où c'est maintenant. Donc, tout le monde, vous reprenez des sacs de couchage et vous allez remettre des sacs de couchage dehors. Maintenant que vous êtes dans une tribu, ah, bah oui, normalement, il ne devrait plus y avoir le problème. Je pose des gants qu'ils avaient. Alors, les sacs de couchage, maintenant. Ils ont été enlevés, ceux qu'il y avait, ou pas? Non. Ah, j'ai pas vu qu'on avait une gourde. Elles m'ont bien servi, les flèches en feu. D'ailleurs, je sais pas qui s'est servi du fusil à canon long, mais il y en a un qui a fait one shot sur quelqu'un avec. C'est Alex qui m'a endormi instant et qui m'a sauvé avec sa flèche enflammée. Ouais. Là, c'était, ça, c'était pas mal du tout comme phase d'action, parce qu'à mon avis, à deux coups près, tu es. Ouais.
Bah j'étais mis de life quoi. Juste que le. Il faut juste faire gaffe dans son quête parce que. Enfin, pas par rapport à toi, si bien sûr. C'est que ça peut faire très mal même de l'autre côté. Même si t'as un petit peu dans le tag aussi. Surtout que vous n'en avez pas qu'une. Ouais, on les mâts, vous pouvez monter dessus, hein, les mâts qu'il y a. Il y a les mâts avec les échelles, vous savez monter dessus. Bah, après, vous vous exposez, mais maintenant vous avez une vue globale de l'arène dessus. Par exemple, pour effectuer un tir de, on ne sait jamais, au hasard, un tir de lance-roquette, ça peut être judicieux. Ouais, mais ça casse pas le bois, ça, par hasard, le lance-roquette. Il n'y a pas les dégâts. Structure, ça casse pas. C'est parce que sinon, à chaque event que je fais, la reine, elle finirait en miettes. Bah, et puis, si tu prends le lance-roquette, tu montes, hein. Tu passes pas à terre. Ouais. On viendra tout à côté de toi. Après, bon, Val, par exemple, vu sa vitesse, je sais pas si quelqu'un arrive à le choper au lance-roquette. Enfin, moi, j'arrive à le choper au lance-roquette. Faut anticiper ses mouvements. Val et Damien. Là, bon, maintenant, faut que je reprenne du stuff. C'est pas mal du tout comme petit village que j'ai fait là pour se battre. Je pensais pas que la première manche serait aussi serrée que ça. Après c'est parce que moi honnêtement je te dis clairement que le fusil d'assaut je déteste et que j'ai pas de shoot à mais, parce que mais je déteste. Il faut avouer un truc, c'est merci les breuvages médicinales. Ouais. Ah ouais. Je sais pas si eux ont pensé à en prendre en fait. Ouais, j'en avais sur moi mais j'ai pas eu le temps de m'en servir. Mets-le dans ta barre d'étage, ton breuvage. Ouais, c'est que j'ai fait. Regarde, c'est ce que j'ai fait. Ceux qui sont là dans le coffre-fort, c'est celui que j'ai ramassé sur Damien. Bon, après, ramasser les breuvages médicinaux sur les gens, est-ce que c'est utile vu la quantité qu'il y en a dans votre frigo quoi. Bah après, sauf si t'en as pas pris sur toi. Ouais, sauf si t'en as pas pris sur toi. Ah oui, oui. T'as fait le morphal. T'es arrivé, c'est à moi. Bon, en même temps, ça peut être une stratégie. Hein. Ça empêche aux ennemis de se soigner. Il y en a un qui vient de se faire surnommer à l'écho, là. Bon, est-ce que tout le monde a bien posé ses sacs de couchage? Oui. Oui, chez moi. Oui, chez toi. Oui. Ok, donc à partir de maintenant, l'équipe, donc Upsy, ton équipe se stuff. Vous prenez ce qu'il vous faut. Une fois que vous rentrez dans l'arène, vous avez 5 minutes pour établir un périmètre de défense. Le seul endroit où vous ne pouvez pas poser du piège, c'est juste à la sortie du vestiaire des rouges, ce qui est logique. Il faut quand même au minimum les laisser rentrer dans l'arène. Après, en dehors de la zone d'exclusion, c'est quartier lit pour la foire à la saucisse. Donc au middle, on a droit. Et juste, Coca, les trucs de pétrole, ils restent longtemps ou ils partent vite? Tant que tu les as pas cramés, ils restent. Ok. Donc ça peut servir ça pour un piège. Ben, par exemple, tu mets une jarre à pétrole, tu l'éclates à terre et puis avec ton arbalète enflammé, ben tu lui mets le feu. Ouais mais c'est trop qui passe aussi. Pas nécessairement parce que en fait tu peux faire préventivement un mur de feu quelque part et le pétrole il brûle pendant 20-25 secondes, un truc du genre. T'as un balcon tu pour faire ça. Va au balcon. Oh, en plus, t'auras une meilleure vue du balcon. Parce que je pense que je vais le faire sur les côtés. Et n'oublie pas, vous avez de la... Vous avez de la greuse somnifère, vous avez de la jarre à pétrole, vous avez des mines à câble, vous avez du lance-flamme, vu que le lance-flamme, tu sais pas marcher avec. Par contre, le lance-flamme, pour prendre une position, par exemple, on va dire dans un couloir, ben, si vous prenez possession d'un couloir pour votre défensive, ben, les autres savent pas vous attaquer, parce que dès qu'ils rentrent, ils se prennent un coup de lance-flamme. Par exemple, il y a deux lance-flammes, et dans un des couloirs, ben, dans la plupart des couloirs, il y a trois entrées, tu vois. Donc, il y a une entrée en bas de l'escalier, ben vous pouvez par exemple taper du pétrole dans l'entrée avec un mec qui tient l'arbalète enflammée et de l'autre côté vous tapez deux lance-flammes, enfin je sais pas. Oui. Par exemple, il y a de quoi faire, il y a de quoi avoir des idées.
Après, la rangée de son côté, elle est haute, ça va. Là ? Non, tu vois, là, au bout, là, au niveau du mât. Ouais. De quel mât passe ? À gauche. Bah, les deux, quoi. Ouais. Les deux qui ont une forme de matraque, là. Ouais. Là, ça fait 6 carrés de long. Il y a un grave, là, non ? Je crois que quelqu'un est en train d'essayer... Ah ouais, non, c'est le lance-flamme. Ah bah ouais, vous doutez bien que ce serait Oxal. Oxal pour le lance-flamme direct. Et après, si c'est pour du corps à corps, il y a la tronçonneuse. En vrai, je kifferais de voir quelqu'un se faire dépecer par une tronçonneuse. Ça reste dans ton inventaire, c'est mieux. Calme. Bon, vous avez tout ce qu'il vous faut, les gars, c'est bon? Yep. Ouais. Ok. Alors, pam, je vais prendre mon petit timer. Vous êtes prêts, les bleus? Morsup, s'il est prêt. Attends. Oups, ça a trop fondu. Les pièges qu'on pose, il n'y a que les ennemis qui peuvent se les prendre ou... Ah non, bah non, vous aussi. Bah quoi? Bon, est-ce que vous êtes prêts là? Bah oui, tu tires en premier. Mais c'est pas pour tout de suite. Je sais. Les gars. Comment je me mettrai à une position stratégique? C'est bon. Attends, c'est Upsi. Vas-y, Upsi, t'y vas. Allez, 5 minutes. 5 minutes pour préparer la reine. Mais. L'entrée est là. Ouais. Il y en a, il se prend des. Il se prend les murs de pique. Faites gaffe les gars, je pose des pièges à ours. Ah bah moi je pose des pièges enflammés. Par exemple, tu peux poser. Non, les pièges à ours, tu peux pas les poser dans un bâtiment, ça c'est dommage. Tu m'avais dit que ça restait le temps qu'on ne les a pas en place. Normalement, oui. Ah, c'est vraiment stupide. Attention, vous courez vite, ne vous prenez pas vos pièges. Ouais, c'est ça que j'ai été occupé de penser. Je serais bien capable. Moi, j'attends la fin avant de tirer dessus. Comme ça, voilà. Il vous reste 3 minutes 50. Est-ce que j'ai le visu sur tous, moi, pour les voir à l'écran? À 0 seconde, je fais entrer l'équipe directement, hein, donc il n'y a pas de 3-2-1-0, puis les gars, vous préparez-vous à rentrer. Quand je dis 0, les autres, ils rentrent. Hein. Et ils vous chargent comme les Rohirrim dans le Seigneur des Anneaux. Attends, celui-là, en fait, je le trouve pour rien. Le direct. Attends. Ah oui, quand même. Ça fait une grosse zone de feu. Ça fait un genre de temps, quoi. Ah mais ici, je vais déplier. Ah ouais. Moi je m'occupe d'en. Je sens que ça. Parce que moi je vais tirer du truc à clamer. Cramer ce qu'il y a en dessous là. Vas-y. Une flèche à celui qui prend en cramer. Il faut mettre les trois flèches sur les trois trucs. Oh non. T'es sûr que tu veux rester là? Mais il y a un autre mort.
Interdiction de tirer à la sortie du spawn. Je te vois arriver, moi, petit filou. Deux minutes vingt. Upsi, ils vont passer à droite, enfin à ma droite à moi, parce que à gauche ils vont avoir du mal à passer. Donc ils vont quand même essayer de passer. Soit ils passent par le milieu, soit ils vont. Ils sont les rouges. Oui. Ah merde. Oh. Aïe putain la con. Je me suis pris un piège, je crois. Commence bien. T'es morte ou t'es vivante? Non, je suis encore vivante, mais je sais pas c'est quoi que je me suis pris, mais ça a fait boum. Une trente. Non, s'ils me rentrent préparant, ils peuvent revenir. Ils doivent commencer la manche, tout cela. Moi, j'attends les 20 secondes. C'est juste que ça le ruse des pièges pour rien, quoi. Moi, du coup, je disais, Coca, une flèche, ça suffit pour enflammer le tout, ou faut tirer les 3 sur les 3, par exemple? Non, je pense qu'il faut tirer les 3 sur les 3. Après, c'est dommage parce que, en fait, si vous aviez pu monter dans les pièges, tu vois, les tourelles et tout ça que je mets, si vous pouviez monter dedans, j'aurais aussi mis des tourelles pour s'éclater. Le problème, c'est que comme c'est mes tourelles, vous n'aurez pas le droit de monter dedans. Ah, ben, et ça, c'est dommage. Il y a un truc où on ne sait pas monter. Où? Ici. T'as mal mis les échelles. Attends, je vais venir voir. C'est pas celui-là. Attends, je vais essayer. Bouge pas. Effectivement. Bon. Je dois retravailler les échelles. Bah, moi, celle-là, j'ai pu monter. Bon, il s'agit d'une erreur de ma part. Je vais les remettre. Donc, ça, comment elle a fait pour monter là-haut, elle? Sur le truc en bois. Il y a des échelles. Bah, là, c'était plus l'or. Merci. Voilà. Préparation finie, les autres rentrent. On peut pas tirer alors? Pas dans leur spawn. Maintenant ils sont tous se tirer. Oh merde! Tu s'est explosé avec toi. C'est les autres qu'il faut tuer, Upsi, hein. Ma tête, j'ai mal, putain. Les gars, allez chercher mon stuff. Faut pas qu'il tombe dessus. Non, moi, je peux pas. Je crois que ça est morte. Ludo, toujours en vie? Ouais, je suis toujours en vie. Bah, Oxa est toujours vivante aussi, hein. Ah, c'est Oxa qui est en train de tuer à tour de bras, là, alors, avec le lance-flamme. Ouais, avec le lance-flamme, ouais. Oxa, elle se fait plaisir, mais un truc de fou, hein. Moi, j'en ai tué deux, là. En plus, je suis avec Oxa, donc c'est, voilà. C'est un peu protégé, on va dire. Je suis dégoûté! Attends, Oxa, ah ouais, là, le psy, t'as vraiment chié dans la colle. Vas-y, Oxa. Là. Lance-roquette, c'est vraiment pas fait pour moi. Hein. Les gars, allez à l'endroit où j'étais parce qu'il y a tout mon stuff. La seule que je reconnais efficacement. T'étais où? Au-dessus de. Allez. Où est-ce qu'il faut monter à l'échelle ou sur un toit en verre? Attends, Val, je vais tuer. Pourquoi il m'a endormi? Oh, que ça. Coca, t'avais pas dit que les défenseurs ils avaient dit. Les défenseurs, si, ils ont une seule vie. Bah, je l'ai tué une fois, il m'a reçu. Bah, c'est vous les défenseurs. Mais c'est pas un défenseur, c'est. Ça n'a pas quand, c'est toi le défenseur. Ils ont le droit à 5 vies. Non, ils ont droit à vie limitée, mais 5 minutes. Là, il reste 3 minutes de jeu, là.
T'es mort, Ludo. Il reste qui alors en vie? Moi. On est tous morts. Non, non. Ah non, il reste Laure. Y'a que moi, non, mais vous êtes sérieux? Elle est cachée au-dessus de son truc là, il la voit pas. Elle ose pas bouger, regarde, elle tire même pas. Bah non, j'ose pas bouger. Je vois. Il y a du temps. Elle reste pas au bout. Ah, y'a quelqu'un qui s'est pris une mine. J'ai pas pris de grenade quoi. Je suis quoi, fusil d'assaut? Tire même pas. Bah, je tire pas. Ils se tirent dessus eux-mêmes. Ils te trouvent pas en fait. Ah, y'a quelqu'un qui a été piégé là. Ah, j'ai tué quelqu'un avec mon piège. Là, tu es fantasme. Hey, remarque, si je reste là-haut. Bah, au pire, reste là. Hein. Si à la fin du temps je suis pas morte, c'est bon. Bah, oui, ils te trouvent pas. Si à la fin du temps tu es vivante, c'est bon. Et il reste combien de temps? Ils se tirent dessus eux-mêmes. 1:59. Mais ne tire pas! Ils savent toujours pas où t'es. Ne tire pas alors! Joue le temps! Regarde pas mon écran, toi. À deux fois, ils vont peut-être se prendre encore quelques pièges. Bah, je sais pas, mais ils sont trois là-bas. Je sais pas ce qui. Bah, mais bon, mais pas tirer. Ils te voient pas, ils se tirent dessus eux-mêmes. Tu sais, ils se prennent les pièges. Il reste combien de temps? Arrête de zioter l'écran. Putain, mais bah ça oui, me démange, je leur tirer dans la gueule, hein, sérieux. Écoute, fais ce que tu veux, mais franchement, moi je serais toi, je resterai là et je bouge pas. Ah, je me suis bien planqué quand même. Mais ils te voient pas. Ils te voient pas. Ils regardent. Non. Ils te cherchent, ils savent pas où t'es. Une minute. Ah, je crois qu'ils t'ont vu, ils t'ont vu. Ils t'ont vu. Ils t'ont vu. Fais gaffe, ils montent. Shoot-le. Allez! Cache-toi sur un autre. Y'en a qui s'est pris un piège! À moins que c'est toi! Non, c'est pas moi. Damien, t'as perdu, je crois. Y'en a qui s'est pris un piège à ours. Allez, tiens le coup! Fais gaffe, Damien, il arrive. Cours! Poursuivez-le! Va-t'en! Cours! Poursuivez l'or! T'arrêtes pas! Cours! Fais le tour! Mais vous croyez que je fais quoi? 6, 5, 4, c'est bon, on a gagné! 3, 2, 1, 5! Ouais! Bravo, l'or! T'as toujours pas compris le. Ah, mais j'ai tué Val! Mais continue de tirer! Mais c'est fini de toute façon, c'est fini. Ah, c'était chaud. Allez, retour au vestiaire sur tout le monde. Non, mais le champion du monde, devinez qui c'est encore, hein. Ah, franchement, un petit, t'as chié dans la colle, toi. Bah, oui, franchement, t'es le meilleur. Hein. Moi, je pense que j'aurais pas tiré la première fois que j'ai vu quelqu'un. Je pense qu'il m'aurait cherché un moment. Ah, ouais. Il a tiré ça, il aurait pas dû tirer. Tout le monde au vestiaire. En attendant, on a gagné, c'est cool. Ça va faire le buzz encore. Hop là, voilà. Alors, je ferme la petite porte des rouges. Venez tous sur le live. Oh putain. Je vais vous montrer. On va encore se marrer. Donc on peut garder le stuff qu'on a. Oui, vous pouvez garder votre stuff. Et si vous en avez, si Laure en a ramassé, vu que Laure est la seule survivante, si t'en as ramassé, tu peux le garder ou le partager avec le reste de ton équipe. Honnêtement, j'ai pas. Oh, mais alors ils vont ramasser mon stuff avec tout mon stuff dedans alors. Ils sont dans leur vestiaire, mais ceux qui ont looté ton cadavre, oui, ils sont avec ton stuff. Ils ont dû se mettre bien. Oh, mais c'est dégueulasse. C'est un désavantage envers nous. Ah oui. Bah non, regarde, alors je l'ai fait de toute façon, elle est très bien. Alors, ton équipe, ce stuff pour la défensive, c'est on inverse les rôles maintenant.
Alors, si jamais, je dis si jamais, à l'issue des 4 rounds, il devait y avoir égalité entre les rounds gagnés, bah vous savez comment ça va se finir. Hein. Upsi, t'es le meilleur, franchement. Lance-flamme, pas pratique. T'as regardé combien de mecs Oxa a tué dans ton équipe? Non, le lance-flamme, c'est une arme de défense, c'est pas une arme d'attaque. Hein. En tout cas, Upsi, je vise bien en bolaf. J'ai bolaf Damien, Alex, Van. Porte le tir à l'arc, hier, je suis vraiment dégoûté pour hier. Hein. Mais heureusement que j'étais planqué en hauteur. Oh merde! Putain! Upsi s'est explosé avec C'était obligé de toute façon. C'est les autres qu'il faut tuer, Upsi. Hein. Comme quoi, l'histoire est vouée à se répéter. Pas ça, c'était pas ses alliés. Donc là, au final, c'est. Nous, on attaque. C'est eux qui ont une seule vie et nous, on a le droit à 5, c'est ça? Non, non, vous avez vie. Maintenant, vous avez vie infinie, vous. Ouais. Et eux, mais ils ont avez... vie. Mais eux, ils ont qu'une vie, mais vous avez 5 minutes pour les avoir. D'accord, je vais les bolasser. Ouais, mais il y a quand même un truc pas juste, le Coca. C'est que on a gagné la première manche, donc on a dû défendre. Et voilà. Maintenant, eux, ils ont tout notre stuff que nous, on avait pris pour défendre. Donc, ils sont super avantagés. Tu crois qu'ils vont se balader avec une tonne et demie de stuff? Bah, il y a quand même... ils auront 2 lance-roquettes, puisqu'il y a le mien, plus toutes les munitions. Enfin... Mais ça, c'est le règlement, ça. Ouais, ouais. Après, mais moi, honnêtement, Coca, moi, franchement... Enfin, moi, je ferais ça, je ferais en sorte que personne récupère ce qu'il y a dans les cadres. Après, t'as fait comme t'as voulu, mais moi, perso, je ferais pas le ramassage, quoi. D'accord, ok. Enfin, je te donne mon avis, hein. Non, non, c'est bon. C'est pas juste envers nous quand tu regardes. Parce que eux, ils vont récupérer tout notre stuff. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, mais là, ici, vous avez l'occasion de les tuer et de faire pareil, hein. Ah oui, mais bon, ils vont être surarmés, putain. Et j'ai envie de dire que même pour le dernier round, vous êtes plutôt avantagé, parce que si vous les tuez, vous réapparaissez à l'infini. Donc, même une fois que le round d'ici est fini, et tu vas voir la logique du truc, une fois que le round d'ici est fini, ceux qui seront en vie dans l'arène et qui auront récupéré le stuff sur les cadavres, et ressortiront avec, hein, pour le dernier round... Admettons qu'ils gagnent ce round-ci, vous avez toujours un round d'avance, c'est vous qui serez en ballotage favorable pour le dernier avec leur stuff. Hein. Ah, il y a encore un round d'après? Ouais. Ok. Et puis ça m'étonne que tu m'as pas râlé dessus, enfin râlé dessus. De quoi? Bah pour le bruit. J'ai mis ton son au minimum, Ludo. Ah. J'ai rigolé, putain, ça me fait un mal de crâne. Et tu t'es bien explosé. En plus, j'étais. Mais juste va sur le live. J'ai fait un temps fort. Regarde, je vais te le montrer. Viens voir sur le live. J'étais juste au-dessus de toi, Upsi, en plus. Et je vois, tu tires ta première roquette. Je dis, ok, c'est pas mal, ça fait plein de dégâts. Et tu sais, je jette un coup d'œil sur ma gauche. Mais quand je te dis que j'étais près de toi, j'étais à 3 mètres au-dessus de ta tête, tu vois. Et puis j'entends BAM dans mon casque d'un coup. J'ai été surpris, en fait, tu vois. Et puis je t'entends rigoler et je vois ton cadavre voler, mais à 20 mètres de là où t'étais, je fais ah ouais, ok. Encore. Venez tous 2 minutes sur le live, je vais vous montrer. J'ai fait un temps fort. Je dois même pas chercher après, le temps fort il est déjà fait. Parce que c'est... Oh là là. Coca, mais plus jamais dans cette roquette, hein. Quand il y a Upsi qui joue, plus de lance-roquettes. Ou alors, faut pas être dans ton équipe. Allô? Allô? Pourrais-je parler à monsieur Leblanc juste une fois?
Vous êtes tous sur le live? Bah, entrez non, dans l'arène. Mon téléphone, il a plus de batterie. Va mettre dans la baignoire. Allez. Va dans la salle de bain. Ok, vous t'entends ou pas? Bah, vous entrez dans l'arène, vous avez 5 minutes. Maintenant, hop. Voilà. Voilà, il se prépare, hein, donc... J'ai envie de balancer un truc. Maintenant, ils n'ont pas eu d'idée en face. Mais du coup, ce serait peut-être dégueulasse. Oh merde! Si c'est explosé avec Mais bon, c'était autorisé, mais les autres ont pas fait. Ma tête, j'ai mal, putain. Les gars, allez chercher mon stuff. Faut pas qu'il tombe dessus. Moi, je peux pas. Si tu veux, je te donne les miennes, parce que moi, je vais pas m'en servir. Ouais, pourquoi pas? Parce que tout à l'heure j'ai volé à Damien, Val et Alex. Bah, en vrai, vos pièges à ours, vous les aviez bien placés parce qu'ils s'en sont pris quand même. Ouais, pas mal. Pas mal, hein. Ouais. La tenue mythique, là, on va la prendre pour quand? Quand vous voulez, j'ai envie de parce dire que là, si vous voulez durer, c'est peut-être bien de la sortir. Parce que j'ai 1390 de vie. Imagine si je mets la tenue mythique avec moi. Je peux faire pas mal de dégâts. Hein. Bah attends, t'as le droit. Moi je te le dis, mais fais-le. Ok. Ou alors c'est pour les deux qui ont le plus de vie, vous la partagez. J'en ai plus de vie, je pense. J'ai une... Bah, ce qu'il c'est faudrait, je pense que honnêtement, moi pour la tenue, les gars, il faudrait plus privilégier Oxa parce que je crois qu'Oxa elle a pas beaucoup de vie, elle me semble. Ok. Bah, moi je dis ça, mais je dis rien, faut voir avec maintenant, elle. Maintenant, n'oubliez pas que vous revenez à l'infini. Le truc, c'est que si vous vous faites tuer avec et que les défenseurs vous la prennent, là vous allez pédaler dans la smoule pour les tuer après. Maintenant, c'est à vous de voir. Moi, je pense vous qu'il faut attendre. Maintenant, et vous êtes certain de remporter la manche pour vous adjuger la victoire. Parce que si vous foirez sur celle-ci et qu'il gagne la prochaine, c'est les prolongations. Hein. Non, moi je pense qu'il faut attendre le prochain round pour la tenue. Ok. En vrai, vous après, menez par 2-0. Vous perdriez ce round-ci. Vous pouvez qu'il y a quand même moyen que vous adjugiez la victoire sur le prochain en utilisant le stuff à bon escient. Ça se trouve, ils ont plus le sens. Après, moi, c'est ce que j'en dis. Hein. C'est à vous de voir, c'est votre stratégie. Attends, je vais juste aller prendre de la viande. Après, il est vrai aussi qu'avec la résistance de Psy ou de Ludo et leur nombre de PV, si on a un des deux qui prend l'armure, il y en a un qui s'est pété dans son propre truc. Si on a un des deux qui prend l'armure, il deviendra un tank vivant, quoi. Bah ouais, c'était mon idée en fait. T'as quand même PV, Le truc, n'oublie pas que les armures sont fragiles aux explosifs, même les mythiques. Et tu te prends 3-4 explosifs, ton armure est pétée aussi. Hein. Bon, bah, y'a personne qui prend les grenades, tech. Ouais, c'est. Et si on tire dessus au lance-roquettes, après 2 ou 3 roquettes, ton armure est pétée aussi. Bon, après, s'il arrive à te mettre 3 roquettes dans le mille, le mec, il est puissant quand même. Eric, sors de là! Bon, avec un peu de chance, il fera comme moi. J'en doute. Je comprends pas comment. Enfin, quoi que je suis sûr que moi je le ferai aussi, mais comment tu fais pour te tuer avec ton propre lance-roquette? Parce que je m'accroupis. Non, je m'accroupis pour me protéger, et à chaque fois j'oublie de me relever avant de tirer. Et donc je tire dans le sol. D'accord. Lolilol. Il reste 40 secondes. Dans 40 secondes, vous entrez dans l'arène telle des furies enragées pour aller coller une branlée à ces misérables amateurs. Non, moi, par contre... Oui, au cas où vous n'avez pas compris, l'équipe d'en face, il vous reste 40 secondes. Enfin, 27 maintenant. Allez, les gars. Bon,
Au pire, qui c'est qui va pouvoir aller voir s'il y a quelqu'un là où moi je m'étais campé? On va le voir, t'inquiète. On regarde en l'air. C'est parce qu'eux n'ont pas eu leur effet de regarder en l'air. Moi je vais rechercher les voleurs. Moi, 5, 4, 3, 2, 1, à l'attaque! Allez, c'est parti, les gars. Oh, il y a des filles. Allez! Ah, et il y a quelqu'un là-haut, je crois. Allez, mais sortez! Ouais, il y a quelqu'un en haut, il y a quelqu'un en haut. Sortez, allez. Putain, Oxal m'a fait. Il y en a un qui a pris le lance-roquette, il est en haut. Joli dispositif, l'équipe de face. Vas-y, Ludo, essaye de... Vas-y, là. Bon, GG, Ludo. Vas-y, continue. Bien joué. Ah, ils t'ont eu. Ah non, bien joué. C'est toi qui l'as eu. Bah oui, c'est lui qui a eu. GG, poteau. J'ai dit, là, je suis bon. Après, je sais pas trop. Moi je les endors les gars, j'ai pris les fléchettes tranquillisantes avec un canon long. Dès que j'en vois un, je l'endors. Oh putain, j'ai failli tirer sur Roxana. Au-dessus, il y en a un tout au-dessus, il y en a un. Ils ont pas placé. Ah, ils ont pas placé de piège ou quoi? C'est bon, je l'ai endormi. Allez-y. Oh, ah bah oui, bah ça. Oh, l'idée de génie quoi. Vite les gars. Aïe, je suis coincé dans un piège. C'est bon, je l'ai eu. Ça tombe là dans l'équipe de défense. Oh, le gunfight. N'oubliez pas, si vous êtes en avantage positif, récupérez le stuff parce qu'une fois que je dis time, tu te rends compte qu'à deux, on a réussi à la tuer. Vous êtes tous morts? Non, moi je suis coincé dans un piège. Non, il reste qui chez toi? Les gars, faut le trouver s'il se cache. Mais nous on est coincé dans des pièges. Ah bah d'accord, merci Ludo, casse-toi, je te dirai rien. Ok, il en reste un chez eux. Allez les gars, faut le trouver. Et bonne chance pour le trouver. Il reste qui? Il reste Para. Oh bah de toute façon, on se trouve. Je lui donne sa chaîne de sa peau. Merci. Petit message à Para. Ils disent que s'il trouve cette chaîne de ta peau. Putain, il est où? Peut-être 3 minutes va tenir, Para, oui. On va jamais le voir, hein, s'il est. Para, c'est proche. Putain il est où? Elle est en train de s'énerver. Faut essayer de regarder partout sous les trucs et tout, des fois qu'il se soit mis à... Aïe. Bon. Mais putain. Allez les gars, cherchez partout. Je suis morte, mais je sais pas où j'étais. Oh, puis je vois même pas la reine. Mais putain. Il doit être bien caché. De toute façon, N'oubliez pas éventuellement de récupérer du stuff pour le dernier round. Attends, moi j'essaye de... Peut-être vous mourrez, mais... Merde, je me suis pris un piège. Le bâtiment, il mais j'ai le sentiment qu'il joue bien avec vos couilles, là. Les gars, je me suis pris un piège. J'ai pris un piège, psy. Bah oui, mais moi j'ai... Oxana, j'ai été la défendre. Ils ont pas fortement piégé la zone. J'ai été la libérer. Oxa, viens me libérer, s'il te plaît. Une minute. Ah bah si je suis pris dans un piège, je sais pas. Ludo, là, devant toi. Attends, il faut que je monte alors, parce que sinon, je vais me prendre le piège de pleine face.
Après, sinon, si vous avez des grenades sur vous, c'est... Lilou, Lilou, là, en face de toi, tout, en face de toi. J'en ai des grenades. Vas-y, je vais lancer des grenades. T'as Oxa qui est à côté. 35 secondes, donc si vous avez une idée pour le trouver, balancez tout ce que vous avez, grenade, balancez la purée, si vous voulez. Merci. Ah merde! Je m'en suis pris un! Bah non, ici! 15 secondes! De toute façon, on a gagné, on est en supériorité numérique. Non, non, non. Si tout le monde, si un seul personnage de l'équipe adverse est en vie, vous perdez. C'est comme pour chez vous avec Oxa. 3, 2, 1, times. Alors, avant de sortir de l'arène, vous allez au centre, là où il y a le bâtiment T, et vous regardez le petit buisson d'herbe qui est à côté. Oh. Il était dans le petit buisson d'herbe et vous regardez passer autour de lui pendant 7 minutes. Bah moi je suis pas passé par là, alors honnêtement moi pour moi c'est sans regret. Hein. Je suis pas passé là-bas. Et moi je suis passé à côté, je me suis dit il est pas là-dedans quand même. Pour l'ours, on a plaque au-dessus. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il dit Il vous a bien trollé. Qu'est-ce qu'elle a dit, Fanta? Allez, rentrez au vestiaire tout le monde. Donc là, c'est la manche finale, donc si c'est eux qui gagnent, il y a égalité, c'est ça ? Attends, c'est pas grave, regarde. Ça met un coup de fertile. Alors, si vous gagnez celle-ci, vous gagnez. Si jamais il la gagne, c'est égalité. Il y a la manche pour le départagement. Hein ? Okay. La quatrième manche, oui. Non, quatre. Mais si vous ne vous départagez pas au bout de la quatrième, il y en a une cinquième. Alors, tout le monde est bien rentré au vestiaire ? Ouais. Ce sera match à mort. Ok. Demande à Val s'il a bien aimé ma fléchette. Psy demande à Val s'il a bien aimé la fléchette. Ouais, ça par contre c'était un coup de maître. Hein, ça. Mais moi je t'avoue, là, il m'a fait mal Val. Ouais, j'ai vu, t'es monté au-dessus. Val, il t'a mis, je sais pas avec quoi, il t'a tiré dessus. Mais il t'a mis 2 fois 400 idées d'un coup. Et puis, donc toi, t'es descendu du truc. On fait comment pour la tenue, pour finir? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ce qu'on peut faire... Attends, parce qu'il y a 5 morceaux. Oh merde, morceaux, on est 4. J'ai ramassé toute sa poubelle. On est 4, faudrait laisser 2 morceaux à Oxa. Et nous, on en prend un chacun. Moi, j'ai pris la veste. Bah, je vous laisse prendre les morceaux que vous voulez. Et moi, si ça dérange pas, je vais aller fumer une cigarette. Vas-y, bah, ici, il faut que tu prennes pas. Hop. Voilà, je vous laisse encore quelques minutes pour vous stuffer à chaque équipe. Et puis, c'est parti pour le massacre. Bah oui, ouais, t'as le temps, va fumer, vas-y. Ok. Merci à tous. Oui. À toutes. C'est pas mal du tout parce que tu vois, sur ce round-ci, s'ils font un bon exploit, ils reviennent à égalité. Donc c'est assez serré comme événement. N'oubliez pas d'aller rechercher des breuvages, les gars. Moi, j'en ai plus. C'est peut-être ça qui aurait pu me sauver. Enfin, quoi que je suis pas mort. Chaque round jusque maintenant a été quand même très serré. Hein. Ah, moi, je croyais que c'était au nombre de vies, moi. Comme. Non. Allez. Un coca. Oui, quoi? Alex, il a pas aimé mourir en premier. Pourquoi? Fischer, t'es venu direct me tuer. Mais quoi, la fin, tu les prends. T'es pas genre. Ça y est. T'as moins de plus. La plus. Putain, le truc anti-émeute, ça lui fait un boubou là ou que ça. Et la femme Fata avec son pantalon serrant et son fusil canoncier là. Ouais.
Après, vu la tronche du fusil à canon scié avec des canons carrés, je me demandais est-ce que ça peut tirer cette affaire. Alors que j'ai pas triché. Il y a Ludo qui dit à Alex mauvais perdant. Parce qu'il m'envoie des messages. Voilà. Aujourd'hui, la nuit de la culture est plus rapide que celle des autres parce que j'ai très peu dormi. J'ai passé une très longue journée. Alex te dit je t'emmerde. Ça y est, mon fils a commencé à écouter ses musiques Zarb là. J'adore les gens qui dorment. Bon anniversaire en ultra avance d'ailleurs. Après, sur la galette. Une petite, t'as pris de la main. De quoi? J'ai pas compris. T'as pris une pièce d'armure? Non. T'as pris un sérieux? On avait dit qu'on la laissait pas pour Oxa. Si, Oxa, il y en a deux. Il vous reste deux minutes hein, pour vous préparer. Ah, mais n'oubliez pas que Laure est partie fumer. Ah ouais. Ah, si elle est toujours pas revenue d'ici là, on étendra. Oh putain, j'ai mal à ma tête. Oh, mais faut que je fasse gaffe à Val parce que Val il m'a fait mal. Oh, moi j'ai adoré la flèche que je lui ai mis en pleine face. Ça c'était sûr, tu touches une fois et ça tu fais mouche. Et para, je passais à côté du buisson, je me disais, mais il est quand même pas trop petit pour être caché là-dedans. Ah, para, il vous a bien pris pour des gaga là. J'ai mis la vidéo sur Discord. Pour un bon titre. T'aurais pu mettre deux frères d'armes. Pas dans leur spawn. Maintenant ils sont tous tirés. Oh, 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 oh. Oh merde. Tu s'est explosé avec ton. Faut pas qu'il tombe dessus. Non, moi je peux pas. Laure est pas encore revenu. Bon, on attend là. Non, non. Normalement, le temps. Salut Toby, merci pour le raid. Comment tu vas? Attends, Oxa dit ce qu'il a fait, c'est pas fair play. Là, on a fait pareil, Oxana. Là, on a fait pareil. Laure, elle s'est cachée. Et ils l'ont pas trouvé, c'est pour ça. Merci pour le Toby Red. Merci pour le Red, Toby. Regarde ce que j'ai corfé. Là, j'ai corfé très très fort, là. Pas dans leur spawn. Maintenant, ils sont tous tirés. Oh, 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 oh. Oh merde. Tu s'est explosé avec ton. C'est les autres qu'il faut tuer, Upsi. Putain.
sûr. Ah, c'est vrai que elle était voyante, ouais. Ça dit, c'est pas fair play ce qu'ils ont fait. Moi, je sais pas. C'est pas une bonne idée. Donc, moi, j'ai dit qu'on a fait pareil. Qu'on a fait pareil. Mais l'or était voyante. L'or était voyante. Ça, c'est vrai. Je pense qu'on peut pas en vouloir au mec d'avoir eu un coup de génie. Hein. Non. Salut Nesquik. Et bienvenue à toi. Doucement, Eric. On aurait pu gagner. Ah bon, on a gagné, je suis con. Non, non, on n'a pas gagné. Mais si, avec le lance-roquette. Que je meure ou pas, ça changeait rien de toute façon. Ah non, mais le round avec le lance-roquette, vous êtes passé proche. Hein, parce qu'à la fin, ils ont fini par l'avoir. Hein. Ouais. Nous, on l'a pas vu du tout, par contre. Mais je m'en doutais qu'il se planquait quelque part dans un truc. Moi, je regardais derrière les pics, au cas où il y aurait un passage, tu vois. Mais non. Ouais. Mais j'ai pas pensé à regarder en dessous de la map, tu vois, comme ça, voir à travers. Donc là, on est en event sur Arc. Quoi, les fléchettes? On attend l'or, elle est partie fumer. Je crois que l'or, elle s'est endormie. Non, elle fume une farde. Elle a été au Luxembourg, ça reste que plus en cigarette. Elle se fait plaisir. Il reste encore un casque anti-émeute hein, dans le coffre. C'est pour l'or. C'est pour l'or ? Ok. Ouais. Ah, c'est vrai que pour le coup, à la première manche de défense, ils ont bien poursuivi l'or. Hein. Là, ils ont de la caféine. Pas de soucis. Et le lance-flamme, on l'a pas utilisé, si ? Oh, mais il y en a encore deux. Il y en a encore deux et 87 munitions. J'en ai ramené un tout à l'heure. Ah, vas-y, je vais en prendre un alors. J'espère que je le manierai mieux que le que le lance-roquette. Bah, faudrait que je te bolasse parce que tu peux pas courir avec. Oh, bah ouais, au pire, toi tu bolasses et moi j'arrive avec le lance-flamme et je les crame. Faudrait que tu refasses une épreuve tirer un arc ici. Ou tirer à la bolasse. On a plein de trucs qu'on n'a pas utilisé, hein. On a des grenades. Je te rappelle du tir à la plusieurs ici. Ouais, ouais. On a encore 37 grenades, hein, les gars. J'étais à une, la forêt des clés. Et 6 grenades tech, on a encore. Ouais, C'est un peu bête de pas les utiliser, non? La revoilà. Prends le casque et le Il sait qu'elle a moins de vie dans le... parti se coller la salade. Ah. Sauf ça, je crois, Dans la tête. T'as tout récupéré? Salut frérot. Enfin, coucou. Mais pourquoi il dit coucou? Ça va frérot, ça a été au travail? Moi j'ai cru mon sonneux. Et bienvenue à toi, gamer du 68. Les gars, allez revoir mon dernier temps fort. Ça vient de se passer il y a une petite demi-heure. Allez voir mon dernier temps fort. Vu la déculottée que t'as ramassée, je sais pas si on peut s'appeler ça un temps fort. Hein. Ça s'appelle un temps fort sur Twitch, en fait. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, j'ai un bug avec le... Est-ce que vous êtes prêts ici? Donc c'est quoi ici? On doit attaquer, c'est ça? Non, maintenant c'est match à mort, maintenant. Ah, donc c'est un dit match, quoi? Ouais, je peux pas recharger de... Ok, les gars, je vais essayer de les endormir comme j'ai fait avant. Dès que j'en ai un, ben... Ah oui, mais j'ai pas de balles. Attends, j'ai oublié de prendre des balles, les gars. Si vous gagnez celle-ci, vous gagnez la partie. S'il gagne, ça va en prolongation. Ok. Udo, dès que t'en bois la sein, tu me le dis, ok? Je viens l'endormir. Ou alors je viens carrément le cramer. Ou je l'endors et je le crame. Tout le monde, faites bien attention que les pièges de la manche précédente sont toujours en place. Hein. Ouais, faites gaffe aux pièges, les gars.
Et moi, je. Bah, viens avec toi, Ludo. On va faire un binôme. Je vais dire, ceux qui ont le moins de vie, faites gaffe. Bah, c'est Oxa. Oxa. Par contre, elle fait mal. Après, Oxa, elle fait mal. Elle a beau pas avoir de vie, elle les enchaîne à tour de bras quand même. Hein. Ouais. Ouais, mais juste là qu'elle fasse gaffe. Pensez à prendre des breuvages médicinales, les gars, pour vous soigner. Parce que quand je suis. Quand je suis arrivé dans la salle pour aller fumer ma clope, j'ai entendu dire qu'à première vue, c'est les personnes qui avaient le moins de vie qui allaient prendre. Allez, dès que j'envoie un jeu, je shoot. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, go. Vas-y Ludo, je te suis. Fais gaffe au piège, hein. Ah, il y en a un en face, là-bas. J'ai touché. Il va s'endormir normalement. Oh merde, j'ai endormi l'or. Ah, ça sent pas que t'as endormi. Non, je suis pas endormi. J'ai le mec endormi un autre. C'est qui là en face? Mais putain, je vois pas les noms, moi. Bordel. En fait, vous avez tous décidé d'aller me foutre dans un coin. Mais je vois pas les noms. Mettre sur la gueule. C'est qui ça, avec la lance là? Putain! On aurait dû avoir des couleurs, je sais pas moi. Faites gaffe! Putain, j'arrive pas à le toucher! Ah, y'a quelqu'un qui a dormi là? Ah non. Bien joué! Vas-y, ils sont combien? Il est mort, mon homme, ou pas? J'en ai endormi un, moi, il me semble, tout à l'heure. Ils sont en train de le garder. J'ai encore endormi. Ils sont en train de le garder, celui qui dort, les gars. Faut aller... Vas-y, on va jouer. En plein. Je suis avec toi, Fanta. Ouais, moi aussi je suis endormi, mais je suis blessé. Mais c'est moi! Mais pourquoi tu me tapes? Si viennent me tu m'as mis. Je suis morte, hein, je peux rien. C'est qui au pistolet là? Moi je suis endormi. Moi aussi. Combien de vivants, je sais pas. Ah, Fanta est toujours vivant parce qu'elle bouge. C'est bon, je l'ai eu, Fanta! Vas-y, je vais. Ah, pourtant, vu le bruit du lanceur, j'ai pas dû l'entendre. Hein. Soignez-vous. Ah, ouais, mais je sais pas s'il en reste encore. Hein. Attends, moi je suis encore de l'eau. Hein. Y'en a un là, c'est qui? Y'en a un là, les gars. Il reste Val pour défendre. Je suis mal barre, je vais me soigner, je vous le laisse. Il est là, il a fait le tour. Il s'est pris un piège! Quelqu'un s'est pris un piège! Je crois que c'est lui! C'est pas moi! Mais il tire où? Il est là, les gars! Il est là! Comme vous êtes en train de. C'est bon, on l'a eu! On a gagné! Voilà! Bien joué à tous! Équipe bleue vainqueur! Yes! Retour au vestiaire pour tout le monde. Ah! Merde! Je me suis pris un piège. En face de toi. Ah, Ludo, là, en face. Là! Ah, c'est toi, mon cœur, qui était au lance-roquette. C'est pour ça qu'il n'y a aucune roquette qui touchait. Et... Tu sais, quand on a trois de l'équipe d'en face qui sont en train de taper un mec qui est pris dans un piège, tu t'en fous, tu tues ton mec, mais tu butes les trois de l'équipe d'en face. Ben bien sûr que si, il va quand même crever, ils sont à trois dessus. Tu tues ton mec, mais tu tues trois de l'équipe d'en face. Hein. Ben, je sais pas, moi, là, ben, c'est, on appelle ça un sacrifice utile. Hein. Bien joué, la guerre. Ouais, c'est fini. Bien joué. On a assuré là, hein. On a assuré. C'était quand même serré, c'est surtout, cool, honnêtement, hein, c'est surtout toi et Oxa qui avaient assuré, parce que moi j'ai vite été endormi.
Ludo aussi. Moi j'en ai shooté un dès l'entrée. J'en ai vu un qui se planquait. Je lui ai foutu une fléchette tranquille. Il a dormi pendant toute la partie. Et après j'étais l'achevé. Après j'étais l'achevé avec le lance-flamme. Bien joué. GG. Ouais, c'était pas mal et en plus c'était serré. Ça vous a fait plaisir les grenades fragmentation? Bon, j'ai rien vu passer. Oh merde. Ouais, et ben moi en attendant, j'ai fait le tour et il me restait quasiment pas de vie et y'a personne qui est venu me finir. GG. J'ai pas fait chier. Venue, elle me foutait un coup, j'étais morte. Papa, par contre, quand je te dis que j'ai pas de chance, je suis tiré dans un piège. Ouais, t'as pas eu de chance. Ah, parce qu'en plus, je peux vous faire tourner en rond pendant 2 heures, quoi. Ah, mais t'avais aucune chance, hein. On était à 4 à ton cul. À 4? Mais y'a personne qui est mort chez nous, hein, je pense à ça. Moi? Ah, mais c'est pour ça! Et par contre, Oxel prenait. Je mettais des balles de pompe à Oxel, prenait 0 dégâts! Bon, ben voilà, à l'issue de l'événement, ben, victoire de l'équipe bleue. Bon, pour un truc que j'ai pondu en dernière minute, pour moi perso, après vous me direz vous, je c'était génial, c'était génial comme d'hab. C'était super. Ça a pas mal été du tout. Les rounds, bon, malgré une victoire des bleus 3-1. Je trouve que les rounds étaient quand même fort serrés. Oh, la reine, elle est magnifique. Putain. Les rounds étaient très serrés et ça fait plaisir à voir. Des fois, quand tu fais un truc et que tu as une équipe qui est trop au-dessus de l'autre, ça dégoûte le ça. Voilà. Et là, en l'occurrence, ici, moi, en regardant depuis le dessus, j'ai jamais eu le sentiment qu'une équipe avait une victoire acquise, quoi. Mais dès donc, le premier round, vous avez sorti d'Arsenal en fait. Bah on s'était bien stuffé quoi. Ah moi par contre. On n'avait pris que des lances pour voir comment vous alliez faire. Ah bah nous on s'est stuffé de ouf quoi. Ah non, parce que si j'avais mis autant de stuff dans les armoires, c'était pour que vous mettiez sur la tronche dès le premier round. Hein. Allez voir mon temps fort les gars sur Twitch, hein, ça vaut de l'or. Hein. Moi, vous avez eu du mal à me trouver, hein. Et parano, alors, hein. Et puis moi, vous m'avez pas trouvé du tout. Para, je suis passé à côté de toi, je me suis dit, il est pas là-dedans, quand même. Para, vous êtes plusieurs à avoir buté contre mon corps. Je pense, en ayant vu les deux rounds de défense-attaque que j'ai vus, à mon avis, dans les prochains trucs, il y aura un prix spécial pour l'ingéniosité, à mon avis. Ah. Parce que... autant lourd que Para, mais surtout Para... Et je suis resté tout le long en vue orbitale et je vous regardais. Fallait y penser au petit buisson parce que j'avais même pas pris la peine de l'enlever. Parce que de toute façon, il fait de mal à personne. Et voilà. Fallait vraiment penser à se planquer dedans. Bon, par contre, on m'a explosé mon buisson et mon rocher, donc je devrais déconstruire tout pour mettre du fertilisant. Pour que ça repousse. ben voilà. Bon, ben au nom de l'équipe, encore une fois, un grand, grand merci, Coca. Et Fanta. Le round d'avant qu'on a fait, on s'en est douté qu'il y en avait un qui allait se camper en hauteur comme moi je m'étais campé. On a été direct là-bas quoi. Alors moi j'ai adoré, c'est la flèche tranquille dans la gueule à Valentino. Il était tout en haut, je me dis putain, sors ta tête. Et il a sorti sa tête. Il s'est demandé d'où ça arrivait. Ah bah ouais, mais non. Mais par contre, moi j'avais jamais vu ce que ça faisait. Attends, je vais regarder sur. Je vais montrer. Le premier qui a eu l'audace de monter à l'échelle, il a quand même ramassé grave. Val, il lui a bien mis, je sais pas avec quoi Val tirait. En fait, je vais tirer au trick shot avec le revolver mythique. Ouais, ça me fait mal. Le revolver mythique. Je visais pas, je tirais. Je crois que c'était Opsa qui faisait un peu office de cible en bas et aussi qui était mis en embuscade. Et... Non, c'était Ludo qui attaquait, je crois. Ça va être ici, je crois, non ? Donc il y a, ouais, a Ludo qui a tenté de monter à l'échelle, t'as visé Ludo mais t'as pas vu que Psy attendait que ta tête sorte. En tout cas, je pense que si vous allez revoir le live, il doit avoir quelque chose de marrant au début parce que je n'ai aucun souvenir d'avoir entendu les règles du jeu. Donc il se peut que j'étais en train de dormir devant le live. Ouah, c'est qui a lancé le fumi? Voilà. Alors, pour l'équipe gagnante, les bleus,
Il y aura 35 000 crédits rajoutés à votre banque personnelle. C'est là, je crois. Et pour l'équipe, ah non, c'était personne, et pour l'équipe perdante, ce sera 25 000 crédits. Oh, nickel. Oh, nickel. Ouais. Regardez le live. Regardez, je suis en train de montrer le moment où j'endors Val. Et il va poser sa tête. Aïe, c'est moi qui me fais taper dessus. Ouais, c'était bien, Ludo. Là, je me dis, je l'aurai pas. Attends, c'est pas ça? Non, c'est pas celui-là. Tonton Seba, mais il est pas là, Tonton Seba, mon cœur. Il est en France, Tonton Seba. C'est quand alors? Où? Bah attends. Mais Tonton Seba, il est plus là, mon cœur. Il faut que j'ai l'espoir pour hier. Où c'est qu'elle va mettre Ludo? Ça, c'est Ludo contre son frère. Ouais, mais donc c'est après, alors. C'est après, alors. Tu te souviens des points gagnés hier aussi ou pas? Alors là, merde, je sais plus, Non, ça c'était déjà dépassé là. C'était avant ou après? C'était avant. J'aimerais aussi dire merci à Laure et à Parar parce que le PVP c'est de base pas leur tasse de thé. Cette fois-ci ils ont encore joué les pompiers de service pour venir remplir les à chaque fois, comme toujours. Donc un grand merci. C'est un plaisir. Tu as bien aimé? Même si c'était pur PVP, honnêtement, mais j'ai bien aimé. Tu les as bien niqués quand même. Bah, en fait, c'est Laure et Para qui ont niqué l'équipe. Tout ça, bah oui, ils se sont cachés. Bon. Par contre, je sais pas c'est qui, mais il y en a qui s'est pris des grenades empoisonnées que j'ai lancées au dernier round. Si personne n'a eu à se charger de lui, il s'est chargé de lui tout seul. Je vois pas de quoi tu parles. C'est ça, en plus, je mets le lance-roquette de base en me disant ça va faire rigoler Upsy, mais je pensais même pas que Upsy allait penser à prendre le lance-roquette. En fait, le problème c'est que je me suis mis accroupi pour me cacher et au moment de tirer, j'ai oublié de me remettre debout et j'ai tiré dans le sol. C'est sur la chaîne, c'est sur YouTube et sur Discord. Donc voilà. Je le demande déjà d'avance, même si je sais que bon, il y aura soit des désistements, soit des gens qui sont. Ah, c'est ici. Est-ce que vous voulez faire quelque chose la semaine prochaine? Oui, bien sûr. Moi, ça me dérange pas. Bah, c'est ici, Yarval, hop là, dodo. Vous avez une préférence Vivre ou mourir, mais en équipe. Vivre ou mourir en équipe. Ouais. Il faut trapper. Ouais. J'aimerais bien deux, mais bon, le problème, c'est. Voilà quoi. Ah bah ça va, ok, ce sera vivre ou mourir. Est-ce qu'on le fait ici ou dans l'autre arène? Peut-être la question. Si ça fait une équipe de 8, il vaut mieux une arène spacieuse, non? Après, j'avoue que ça permettrait de faire des gros dinos. Ah bah ici je peux mettre 3 ou 4 ex dans l'arène sans problème. Putain, je trouve pas. Oh putain. Ça pourrait être intéressant d'y faire ici. Ouais. Bah ça va, ok, ce sera vivre ou mourir à cette arène-ci alors. La semaine prochaine normalement on aura terni et je sais bien que Ghost il avait fait des événements avec nous mais je sais pas, je le vois plus depuis. Faut voir. Forza 5 est sorti, il y a beaucoup de joueurs qui sont dessus. Bah ouais, moi le premier. Et puis c'est bah, nous aussi. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait longtemps ça. Ça fait un bail. Ça fait longtemps que j'ai pas essayé de lancer ma manette à travers une télé. Mais c'est pire, il faut être 12. Faut être 12 pour un. Bon, au pire, on se fait un 4 contre 4 comme la dernière fois, mais c'est pas top. C'est pas top, Val. Un 4, c'est pas top. Ah, déjà, c'est un peu chaud. Allez, j'avais trouvé l'endroit et maintenant je sais plus où c'était. Je pense que c'est juste ce qu'il faut au 3. Bon, j'espère que vous avez apprécié la petite arène. Oui. Trop bien. Un grand merci encore une fois. Après, pour un scarabée boule, je sais pas quand est-ce qu'on en fera un, mais après avoir le nombre de joueurs, on peut faire une tournante avec les joueurs. Aussi, oui. Et je vais vous organiser ça. Ouais, ça. Je peux faire ça un dimanche aussi, hein, un dimanche après-midi ou. Voilà quoi. Ouais. Faut voir que je me lève tôt alors. Si vous voulez pas vous emmerder pour quand vous déconnecterez d'ici, ben vous n'avez qu'à aller vous déconnecter à l'hôtel de la reine. Ok. Ouais. Vous prenez une chambre avec lui. Putain, Val, c'était où? C'est où l'hôtel déjà? De quoi? Mais papa, tu l'as déjà montré. Mais oui, mais. Je l'entrée principale. J'essaye de le trouver, mais. Mais par contre,
Je t'ai bien amoché au début. C'est possible. Dans ton inventaire, je t'ai commencé à te mettre du 200, 2 voire 300 à la lance. Ouais, oh, la petite arène ici par rapport à mon prochain projet, c'est pas grand chose encore. Ah, c'est là, pile poil dedans. Pile poil dedans. Ouais, j'aime bien, papa. Après, je dois sortir de ton truc. Je te vois te casser directement. Et après, c'est Ludo qui le finit. Une 39. Bon, on a choisi tous les trois la même. Dès que j'envoie un, je l'envoie. Ah non, je suis arrivé avant toi, moi. Menteur. Il y a plus de chance qu'il y ait un joueur, donc vous avez le choix. Au-dessus, il y en a un tout au-dessus. Tout au-dessus, il y en a un. Je ne vais pas prendre du frost, là, je n'ai rien à faire pour vous. Par contre, il faudra partager ou se battre. Un combat pour l'avoir, moi, je dis. T'aurais pas dû avancer, là. T'aurais pas dû avancer, Val. Hop là. C'est bon, je l'ai endormi. Allez-y. Juste pour recruter un peu RP avec les. Vite, vite, les gars! Savoir que de base, la première fois que tu t'es passé sur le serveur de. Peloton d'exécution! C'est bon, je l'ai eu! Moi, j'avais pas. Un serveur normal, qui avait un serveur primitif pour le gameplay. Et de base, le but du serveur primitif était de mettre en place vraiment un serveur pur RP avec des quêtes et tout ça à faire. Et tout. Mais en fait, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui aiment bien les serveurs primitifs. Ils bloquent beaucoup aussi. Et donc, voilà. Il a été abandonné par A. Et ça, malheureusement, c'est dommage parce que je trouve que le serveur primitif, d'un point de vue installation, décoration et tout ça, que tu pouvais mettre dans une baraque, c'était le top du top. Ouais. Parce que sur le serveur primitif, avec le GCM, tu savais faire venir tout ce que tu pouvais, tout ce que tu voulais du serveur normal. Tandis que ici, sur les serveurs normaux, on ne sait pas faire venir du stuff de primitif, malheureusement. On va peut-être espérer sur Arc 2, ils vont partir sur du primitif, hein, qui sait. Ouais, faut voir. Mamour, tu regarderas, il doit y avoir Nala dans la salle, faudrait qu'il la chope et qu'il la foute dans sa gueule, s'il te plaît. Voilà. Eh ben moi je vais vous laisser. Merci à tout le monde pour la participation. Merci pour la. Merci. Merci.